Thank you very much. Wow. Donald Trump triomphe à la primaire en Caroline du Sud samedi soir. Il est déclaré vainqueur à peine quelques secondes après la fermeture des bureaux de vote. That is really something. This was a little sooner than we anticipated. It was an even bigger win than we anticipated. We're a laughingstock all over the world. Our country is going to be respected again, respected like never. Before. Pour Nikki Haley, c'est une dure défaite. Elle qui misait gros en Caroline du Sud. Elle y a été gouverneure pendant 6 ans. Et malgré tout, elle s'accroche et demeure dans la course. I'm a woman of my word. America will come apart if we make the wrong choices. Nikki Haley représente une aile plus modérée du Parti républicain. Elle demande aux électeurs de choisir une nouvelle génération de dirigeants. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November. Mais les arguments de Haley n'ont pas su convaincre les républicains. Trump a amassé près de 60 % des voix samedi soir. On vient de vivre une semaine où Donald Trump a eu beaucoup de problèmes au niveau judiciaire. C'est comme si tout ça n'existe pas. Les gens du Parti républicain sont résolument derrière Donald Trump, peu importe ce qu'il arrive. Mme Haley n'a pas été capable de gagner son argument. L'équipe de Donald Trump doit par contre s'inquiéter de la timidité des gros donateurs, comme l'explique Luc Laliberté. Si au départ, Donald Trump, sa campagne était plus riche nettement que celle de Nikki Haley, quand on regarde le mois de janvier, quand on regarde le mois de février, les généreux donateurs, ceux qui donnent de plus grosses sommes d'argent, s'accrochent à Nikki Haley. La prochaine primaire a lieu mardi dans le Michigan. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.